Ok, pour le travail suivant, vous allez avoir besoin, Maë, de votre arme. La vidéo est en route. La vidéo est en route. Deux choses. Un petit travail sur la famille 70, sur la boîte. Et ensuite, une dictée de mots. On fait tout dans la foulée et on filme tout dans la foulée. D'accord? Donc, vous aussi à la maison, vous allez avoir besoin de votre ardoise et d'un feutre d'ardoise ou d'une feuille de papier. Ça marche très bien aussi. Oui, vas-y, c'est ça?
60. 67. Ok. Combien y a-t-il de points bleus? 6 disait. Et combien d'unités? 4 unités. C'est 64. Exactement. On continue. Quel nombre est représenté par les points bleus? 6 dizaines, c'est 7 dizaines. Alors, c'est quoi le nom qui va poser pour maman? Ça commence comme 60, mais il faut, ça change après. 60. Très bien. 7 dizaines et 5 unités, ça donne quel nombre ça? 75. 75. Ça vient, Malky, c'est bien. Allez, on en fait encore un ou deux. Ouais, non, tu as pas. Oulala, t'en as sauté. T'as sauté une famille. Vas-y. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Voilà, il n'y a pas d'unité. Il y a 0 unité. Yes, 70, 7 dizaines, 0 unité, c'est le premier nombre de la famille 70. Hein. C'est là qu'on change de couleur, ok? 70. Allez, combien y a-t-il de nombres de points bleus? 3. C'est 60 plus 3. Allez, le dernier. Avant la dictée de mots. Le dernier. Mais bon, c'est pas là. Mais tu sais, les garçons, ça ne vient pas là. Je sais pas pourquoi, mais. Ça y est, là, va écrire ton nom. Thank you.
Alors, ça vient ? Pourquoi ça vient bon ? Alors, la dictée de nous. Les enfants qui sont à la maison, vous pouvez écrire la date du jour. Nous, c'est déjà fait, on a déjà écrit la date du jour ce matin. Oui ? Non, bah non. Alors, les enfants qui sont à la maison, vous pouvez mettre sur pause pendant que vous écrivez la date et on peut écrire le titre. Nous, attention. Ben, il ne fallait pas écrire la date. Alors, oh, en dessous de 32. Oui, tout le monde a sa. Moi, je n'ai pas fait la date. Tu l'as faite ce matin, mais. En dessous, mais on l'a fait ce matin, on ne va pas l'écrire deux fois. En dessous de 32, est-ce que tout le monde voit le point qui est en dessous de 32? Oui, oui. Ah bah. Oui, non mais d'accord, mais c'est quand même en dessous. C'est à la suite. Est-ce que tout le monde peut mettre son doigt sur le point en dessous de 32? Voilà, ici. Non, là. On écrit dictée de mots. À la maison aussi, vous écrivez dictée de mots. Voilà. Les deux sons. D'accord ? On est prêts ? Allez, allez Lara. Ah bah t'es prête. Oh allez. Poisson. Poisson. Mais qu'est-ce que tu veux ? Poisson. Allez, allez, allez. Ah, on verra ça maintenant. Ça y est ? Dictée de mots ? Alicia, parfait. Marien, c'est loin. Bah, tu es toi. En tout cas, c'est loin aussi. Lia, t'as oublié. Oui, je ne sais pas, Jules. Je ne sais pas, Jules. Pas ce soir, ça c'est surprenant. Alors, il y a six mots à écrire. Je vous dis le premier. Vous êtes prêts ? À la maison aussi. Attention, les mots où il y a « o » à la fin, ça s'écrira comme ça, hein ? Ouais, on est là. Et bien, ça commence par le foin. Le foin. C'est pas la peine de regarder, je l'ai effacé. Le foin. Oui, bah il est facile à écrire. Hein, en même temps, hein. Le foin. Le foin. Allez, tu écris le foin. Vas-y, 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 vas-y. Ah oui. Le foin, allez. Le foin. Le foin, c'est bon? C'est bon. Ryan, il faut que tu poses ta main. Il faut que tu poses ta main. C'est le son d'hier. C'est le son d'hier.
Allez, le froid. Le bateau. Attention, le O, tu te rappelles comment on l'écrit là-bas? Pas un O tout seul. Allez, le bateau. Vas-y. Quand le O, il est à la fin, il s'écrit. Écris un peu plus petit, Lara, parce que tu es en train d'aller dans le prochain point, là. Le bateau. Waouh, très belle écriture. Ah, pas le bateau, un bateau, pardon. Un bateau. Écris un peu plus petit la prochaine fois aussi, Maman Maïté. Un bateau. C'est bon? T'as écrit un bateau? Ah. Alors, on a déjà écrit le foin. Oui. Et on a déjà écrit un bateau, soit à côté, soit en dessous. Ça ne me dérange pas. Il n'y a aucune importance. Le foin et un bateau. OK? Oui. Le prochain mot. À côté. Écoutez bien. Pointu. Pointu. Ah, tu sais pas comment on écrit le O des bateaux, mais pourtant on a déjà répété plusieurs fois comment il fallait écrire le O dans ces mots. Surtout qu'il est écrit au tableau. Les deux, la façon d'écrire O, elle est écrite au tableau. C'est la façon qu'on a apprise hier. Pointu. Maki. Quand le O est à la fin d'un mot, il s'écrit. Est-ce qu'il y a un A U? Bah, A-U. E, A, U, c'est pas ce que t'as fait. Pointu. Très bien. Pointu. Point. Point. Ah non. Pointu. 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 Il n'y a aucune lettre muette. On sait écrire le P, on sait écrire le OIN, on sait écrire le T et on sait écrire le U. Point, tu. Il n'y a aucune lettre muette. Oui, bon, bah, on l'entend le U. Pointu, on l'entend. Il n'y a pas de piège. Hein. Pointu. Ouh là 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 là, comme-moi ça. Pointu. Lara, t'as inversé les sons. Pointu. Point. D'abord, tu dois écrire le ouin. Ouin. Comment on écrit ouin? Ouais. I. N. Et maintenant, le T et le U. Pointu. Ton O, il est bizarre. Pointu. Voilà, très bien. Ensuite, on continue. Le prochain. Normalement, il y a encore trois points. Oui. Trois mots. Prochain mot. Attention. C'est au pluriel. Il y a un F. Ah ben non, justement. Réfléchissez à ce qu'on a appris hier. Les chapeaux. Quand le mot il se termine par E, A, U, c'est quoi le pluriel? C'est S ou c'est une autre lettre? C'est X. Les chapeaux. Comment on écrit les? L, E, S. Les chapeaux. Les chapeaux. Il y en a plusieurs. Allez, les chapeaux. C'est facile à écrire, hein, chapeau. On n'oublie pas que le O de chapeau, il s'écrit E-A-U, il est à la fin. Ça fait beaucoup de choses à réfléchir, hein, mademoiselle Baptiste. Oh là 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 là. Pardon.
Je sais pas, okay. Ça va bien normal. Hein. Tu sais quoi? C'est moi qui ai un peu serré, c'est aussi de ma faute, Maï, c'est moi qui ai un peu trop serré les poings. J'aurais dû vous les mettre les uns en dessous des autres. C'est pas grave, t'inquiète. Les chapeaux, c'est bon? Pakis? Ah bah oui, c'est bien. Ah bah tu l'écriras là le prochain. Les chapeaux, c'est bon? Allez les chapeaux, mademoiselle. Les chapeaux, il y en a plusieurs, Ryan. Et comment on met le pluriel quand le mot il se termine par E, A, U? Les chapeaux. Parfait. Attention là, t'as mis pointu. Comment on écrit le mot hein? Là, toi, t'as écrit pointu. C'est pointu. Bah oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire là. Pointu, c'est bon. Les chapeaux, par contre, allez, les cheveux. Ah, Lara, elle est coincée. Comment on fait le che? Tu sais plus? Comment on fait le che? CH. Allez, CH. Chapeau. Attention, le O, comment on le fait? Ah, oui. Il est à la fin du mot, le O. On écrira un fera un nouveau point en dessous, c'est pas grave. Allez, je vous dis déjà le prochain mot pendant que Lara termine. Le prochain mot, c'est rejoindre. Alors, le je de rejoindre, première indication, c'est un J. Arrête de faire cette. Rejoindre. Alors, re, on sait l'écrire. Re. Joindre. Il y a trois syllabes. Ouais, et le j, et le. Ouais, c'est bien. Le oin, c'est toujours O-I-N. Le oin, il s'écrit que d'une façon. O-I-N. Toujours. Rejoindre. Et alors, je dis exprès, écoutez-moi, je dis exprès, rejoindre. Je dis exprès le E à la fin, faut pas l'oublier. Rejoindre. Montre-moi. Pourquoi t'as mis un E là? Rejoindre. Non, 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 avec le J, il n'y a jamais de E, c'est seulement avec le J. Très bien. Rejoindre. Ouin, ouin, ouin. Il n'y a pas de E après le J. Rejoindre. Et le dernier mot? Le dernier mot. Oh. Le dernier mot. Parce que j'avais fait pas. Oula, là, il a touché à avoir des façons. Écris-le. Là, il a souscrit, il sera le dernier. Rejoindre. Allez. C'est moi qui ai trop serré les points, c'est ma faute. Oula, là, oui, trop serré les points. Rejoindre. Et le dernier, tout dernier mot. Non. C'est le carreau. Le carreau. Le carreau. Alors attention dans carreau. Je vous donne des petites indications. Le que de carreau, c'est un C. Mm-hmm. Ensuite, dans carreau, il y a deux R ensemble. Carreau. Et le O, on sait comment on l'écrit à la fin. Rejoins. Re. Pardon? Alors, je répète les explications pour Maï. Dans carreau, le que, c'est un C. Ensuite, il y a deux R qui se suivent collés. Et le O de carreau, on sait comment l'écrire. C'est le O de guerre. C'est le O de guerre. Carreau. Le haut de chapeau, le haut de bateau, le haut de gâteau. Et je vais juste la restaurant.
Non. Alors le premier, tout premier mot qu'il fallait écrire, c'était, on corrige pour les enfants qui sont à la maison, c'est le foin. Vous pouvez prendre un stylo vert. Non, un stylo. Oh, mais comme d'habitude, là, Valence. Comment on fait quand c'est bon? Mais ensuite, le deuxième mot, c'était quoi? Pointu, je crois. Non. Bateau, non, c'est le bateau. C'est un bateau. Un bateau. Mais je crois que je l'écris en noir, parce que sinon, vous êtes tous à la maison, je crois que vous ne voyez pas bien. À chaque fois, je vous dis. Bah oui, parce que quand je fais des vidéos pour moi, je ne voyais pas très bien avec le stylo vert. Le bateau. Mais parce que le vert non plus, on ne voit pas bien. Ah oh, mais non, mais je me suis encore trompée, c'est pas le bateau. Oh, regardez. Le foin. Ouh. Ensuite. Mais vous faites trop dur. Un bateau. Ensuite, après un bateau, il y a quoi? Non. Il y avait pointu. Après, il y avait les... Ouh là 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 là. Les chapeaux. Les chapeaux. On n'oublie pas le X à la fin de chapeau parce que ce sont les chapeaux. C'est au pluriel. Et que les mots qui se terminent en E, A, U au pluriel, c'est pas un S qu'il faut mettre, c'est un X qu'il faut mettre. Ensuite, les chapeaux, c'est fait. Ensuite, rejoindre. Voilà, rejoindre. Le carreau. Et enfin, le dernier mot. Le carreau. Alors, on a dit que dans le carreau, le Q, il s'écrivait tout simplement avec un... C'est. Et par contre, il y a une petite particularité, c'est que dans carreau, il y a deux R. Ben oui, je l'ai dit. Ah ben je l'ai dit, hein. C'est bon? Ok, alors, vous pouvez fermer vos cahiers du jour. Les élèves qui sont à la maison, on se retrouve cet après-midi pour une dernière vidéo en maths pour finir la partie 70. Et puis nous, on va lire maintenant les phrases de Taoki. Donc, on va couper la vidéo. Vous pouvez ranger vos stylos, vos trousses. Et je vous dis à tout à l'heure. Au revoir.